C'est la caméra qui est floue? Non, c'est moi qui suis flou, je crois bien. Bonjour à tous, mes chers amis, merci de me retrouver dans cette très courte vidéo qui va être très très importante parce que j'ai une grande annonce à vous faire. Comme vous voyez, j'ai des petites cernes, j'ai un visage un peu fatigué parce que j'ai voulu vous faire très plaisir. Du coup, je vous ai pas fait la vidéo des énergies d'aujourd'hui. Enfin, ça fait 2 jours que je vous ai pas fait la vidéo des énergies. Je voulais vous faire aussi la vidéo des énergies lunaires. Il faut que je vous la fasse. Donc, je vous la ferai certainement là dans le week-end. Tant pis, on va prendre un petit peu de retard sur le timing. Je veux aussi des consultations à faire que j'ai pas pu faire. Mais j'ai une bonne excuse, les amis, parce que je voulais vous faire à tout prix plaisir. Je viens de réaliser une prouesse physique. Puisque ça fait 3 jours non-stop que je bosse à fond les ballons pour au moins clôturer un des gros projets de la rentrée, à savoir faire ma boutique sur le site de mecplayingcards.com. Et roulement de tambour, je vous annonce que l'oracle L'œil dans le noir est terminé. Et non seulement il est terminé, mais je viens de demander le prototype auprès du site, donc je devrais le recevoir. Alors je ne sais pas trop quand je vais le recevoir parce que sur le site c'est marqué qu'avec la crise sanitaire, il y a un délai d'attente supplémentaire. Donc à mon avis, je pense que je vais partir sur bien 15 jours, 3 semaines, hein, même voire 3 semaines, on va dire pour ça, ouais, pour Halloween. Donc je devrais vous faire la review avant Halloween. Mais la bonne nouvelle, parce que vous vous en fichez de savoir que je vais recevoir mon prototype, si, si, je le sais que vous vous en fichez, vous, ce qui vous intéresse, c'est vous, comment vous allez pouvoir l'acquérir. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que... Et suivez bien mes instructions. Vous allez aller dans la barre d'infos, donc à côté du titre, vous avez une petite flèche, vous cliquez dessus, ça vous donne accès à une liste déroulante et vous avez des informations. Entre autres, vous aurez le lien vers ma boutique Make Playing Cards. Si vous cliquez dessus, ça vous envoie directement sur ma boutique. Attention, si vous cliquez dès maintenant, ceux qui vont regarder la vidéo là aujourd'hui en date du 2 octobre, voire peut-être demain, parce que je ne sais pas combien de temps ça va prendre, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez rien, si vous ne voyez pas de jeux sur ma boutique, puisque j'ai mis les jeux et ils sont en attente d'approbation par le site, tout simplement. Donc les jeux, ils sont là, les dessins ont été soumis, les cartes, enfin pas tous les jeux, parce que je vais vous expliquer, mais certains jeux, en tout cas, seront dispo dès que l'approbation a été validée. Alors, je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Je sais pas si c'est 24 heures, 48 heures, une semaine, 6 ans, 12 siècles. J'en sais rien. J'en sais rien puisque je ne l'ai pas encore faite cette boutique. J'aurais dû la faire beaucoup plus tôt. Ça m'aurait simplifié la tâche. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc retenez bien cette adresse, vous la mettez en favori, vous l'imprimez, vous la mettez sur le frigo, vous la tatouez, vous faites ce que vous voulez, mais vous la retenez bien, ce lien, cette adresse de la boutique, puisque dessus, à l'heure actuelle, vous trouverez l'oracle fantabuleux, donc celui-ci, qui sera disponible. Donc dans ce format-là, d'accord? Alors, je vais vous expliquer aussi. Bon, pour le moment, on est sur les jeux. Donc il y aura l'oracle fantabuleux, et vous aurez... Le nouvel oracle, l'oracle L'œil dans le noir, mais sous deux formats possibles. Vous l'aurez soit en grand format comme l'oracle fantabuleux, format oracle. Alors, pour le format oracle, ça va vous demander une petite gymnastique parce que sur le site, je ne pouvais pas mettre 72 cartes d'un coup. Du coup, j'ai été obligé de diviser le jeu en deux parties. Donc, vous le verrez sur la boutique, le jeu, vous aurez l'œil dans le noir partie 1, l'œil dans le noir partie 2. Ça, vous le saurez, il vous faut les deux parties si vous voulez le jeu complet. D'accord? Donc, vous serez obligé de mettre les deux articles dans votre panier si vous voulez avoir l'oracle complet. D'accord? Venez pas me dire dans quelques temps, ah, Jo, il manque des cartes, c'est pas normal. Si, 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 c'est normal parce que vous l'aurez pas fait comme il faut. Donc, vous mettez bien l'œil dans le noir partie 1 et l'œil dans le noir partie 2. Voilà. Pour avoir l'oracle complet sous ce format-là. D'accord? Et la grande surprise, c'est que moi, quand j'ai réalisé mes dessins, j'ai mis le format, j'ai travaillé en fonction de la taille pour avoir ce format-là. Et j'ai fait un essai, j'y suis allé un petit peu au culot, j'ai voulu essayer si le format tarot y passait. J'avais peur que mes dessins, du coup, ils dépassent les limites puisque il est étudié pour ce format et pas le format tarot. Et là, à ma grande surprise, eh bien, les cartes collent super bien dans le format tarot. Donc le format tarot, c'est ça. Format tarot, donc format plus petit en format tarot, un tarot.
Et du coup, vous n'aurez pas besoin de commander partie 1 ou partie 2, puisque là, un tarot sur le site de MPC, c'est 78 cartes minimum. Donc par conséquent, les 72 arcanes de l'œil dans le noir ont pu rentrer sans problème. Donc du coup, soit si vous voulez le format oracle, il vous faudra sélectionner partie 1 et partie 2. Et si vous voulez que le format tarot, il vous faudra simplement mettre le tarot dans votre panier, tout simplement. Et là, je vous explique un petit peu, puisque moi, je vous ai mis des petits critères, enfin mes critères, donc en termes de qualité. Après, ce sera à vous si vous voulez rajouter des choses, à savoir si vous voulez la finition de votre jeu, soit brillant, soit mat. Du coup, c'est vous qui choisirez votre préférence, si vous le voulez ou brillant ou mat. Si vous voulez des bordures dorées, des bordures argentées, enfin, ce sera après à vous de personnaliser le jeu comme vous le voudrez, sachant que plus vous mettrez des options sur le jeu, plus il va vous coûter cher. Hein, ça, c'est un petit peu logique. Mais voilà, au moins, ça permet à tout le monde, pour toutes les bourses, de pouvoir se procurer le jeu, soit d'entrée de gamme, avec quand même des bonnes qualités et une bonne finition. Et pour ceux qui veulent vraiment un super jeu avec les dorures et tout, vous pourrez aussi, et comme ça, c'est vous, vous personnaliserez votre jeu, c'est-à-dire que le jeu que vous recevrez, eh bien, votre voisin n'aura pas forcément le même. Vous aurez le jeu que vous voudrez en fonction de vos envies et de vos critères. Hein. C'est pas beau, ça, franchement, hein. C'est pas une annonce de Noël. Ça vaut pas tous les tirages, ça, hein, quand même. voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, du coup, pensez bien à créer un petit compte. Alors, je sais pas s'il faut créer un compte client. Faudra au moins que vous rentriez votre adresse et votre nom, tout ça, hein, normal. Vous pouvez payer avec PayPal ou avec votre carte bancaire. Donc, pour ceux qui n'ont pas PayPal, pareil, c'est pratique, vous pouvez payer avec la carte. Je crois même. Je crois, je veux pas dire de bêtises, je crois qu'ils prennent d'autres options aussi de paiement. Mais ça a vérifié. PayPal et CB, c'est sûr. Après, les autres, je sais pas, ce sera à vérifier. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, soyez patient. Lorsque vous recevrez, suivez bien les instructions du site. Il est super simple. Vous verrez, vous avez juste à cliquer sur votre panier, vous mettez vos options. En plus, si vous travaillez depuis votre ordinateur, Google va vous le va vous. Traduire automatiquement puisque le site est en anglais. Donc il va vous le traduire automatiquement, vous aurez juste à faire suivant, suivant, comme si vous étiez sur un site de vente, eBay, Amazon, voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à valider et à payer. Et en termes de délai d'attente, soyez patient puisqu'il faut compter minimum 15 jours puisque vous verrez, il y a des frais d'expédition et vous avez le choix avec deux frais d'expédition. Soit le format standard qui est, je crois, autour de 10 ou 11 euros pour un exemplaire. Donc, vous pouvez également avoir l'option courrier recommandé qui vous rajoute, je crois, 6 euros de plus. Donc, ça vous fait 16 ou 17 euros de frais de livraison, mais vous recevrez en lettre recommandée. Soit vous avez l'option en livraison express, c'est-à-dire sous une semaine, il vous fabrique le jeu, il vous l'expédie, vous le recevez en une semaine. J'avais fait le test une fois et effectivement, on le reçoit vraiment en une semaine. C'est ce que je fais d'ailleurs quand je fais des commandes, enfin quand je faisais des précommandes, puisque maintenant je ne ferai plus. Mais quand je faisais des précommandes, c'est ce que je prenais en livraison express. C'est d'ailleurs pour ça que je payais des douanes, parce que forcément, ça passait par la douane pour aller plus vite. Mais bon. Donc, ce que je vous conseille, c'est en livraison standard, à la rigueur, vous mettez la lettre recommandée si vous voulez être sûr que ça se perde pas. Personnellement, j'ai jamais eu de problème. Je touche du bois, jamais eu de souci avec MPC. Donc, bon. Et ça fait 2 ans que je travaille avec eux. Donc voilà, je vous l'ai dit en termes de livraison, si vous partez sur du standard, il faudra 15 jours en temps normal, mais avec la crise sanitaire, comptez plutôt 3 semaines. Donc du moment où vous venez de valider et de payer, comptez 3 semaines. Et ce qui est bien aussi avec MPC, c'est que vous pouvez retourner ensuite sur le site, vous allez sur votre commande et vous verrez, vous avez le statut de la commande, c'est-à-dire où est-ce que ça en est. Vous verrez, ça a marqué payé, en production, expédié, envoyé. Enfin, vraiment, ça, même si c'est un truc standard, vous aurez tout le suivi du processus. Et ça, c'est bien. Je trouve que c'est bien d'avoir proposé ça. Voilà, donc là, c'est le cas de le dire. Vous avez toutes les cartes maintenant entre vos mains. Je vous demande juste d'être patient. C'est pour ça, conservez bien l'adresse. De toute façon, je vous le redirai dans les vidéos des énergies du jour, hein, puisqu'on se voit tous les jours. Je vous le dirai à ce moment-là, si les jeux sont enfin validés et disponibles sur la boutique. Mais d'ores et déjà,
conservez bien le lien qui est dans la barre d'infos, puisque c'est la boutique, ma boutique. De toute façon, vous reconnaîtrez, hein, il m'a l'œil dans le noir, fantabuleux, bref. Il y a le logo de la chaîne, donc je pense que vous saurez que vous êtes bien sur le bon truc. Et voilà, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, vous avez deux formats pour l'oracle l'œil dans le noir. Vous l'avez soit en format tarot qui est complet, vous avez juste à mettre celui-ci, soit en format oracle, soit plus grand, qui sera en deux parties, partie 1 et partie 2, et il faudra mettre les deux ensemble. Et puis vous aurez à côté l'oracle fantabuleux pour venir compléter pour ceux qui le veulent, parce que je sais que beaucoup le voulaient aussi. Voilà. Ensuite, petite mauvaise nouvelle. Pour les autres jeux, malheureusement, en termes de vente, on ne peut pas sélectionner tous les formats. Donc, je serais obligé de refaire des précommandes. Par exemple, pour le carré fantabuleux, le format carré y est sur la partie vente, mais c'est un format qui fait 5 cm. Excusez-moi. Je viens de manger, j'aurais pas dû faire la vidéo maintenant. C'est un format qui fait 5 cm par 5, autrement dit petit. Parce qu'imaginez ça, ça fait quand même 7, vous enlevez 2 cm de chaque côté, ça fait des toutes petites cartes. Donc je ne vais pas vous mettre le carré fantabuleux en timbre poste, hein, c'est pas la peine non plus. Donc du coup, pour certains jeux, je serai obligé quand même de vous faire des précommandes. On sera obligé parce qu'il n'y a pas tous les formats de dispo. Et voilà. Bon, donc c'est tout dit, je vous ai tout expliqué, vous avez tout, donc gardez bien les informations et puis suivez bien, n'hésitez pas à aller voir régulièrement si vous êtes impatient pour voir si les jeux sont disponibles, et sinon c'est moi qui vous communiquerai et sur Facebook et sur les vidéos et dans l'onglet communauté, je vous dirai dès que les jeux sont enfin dispo, qu'ils ont été validés par le site et que vous pouvez ensuite les prendre. Voilà les amis, allez sur ce, je vous embrasse tous très fort, j'espère que cette bonne nouvelle vous fait très plaisir, moi ça me fait énormément plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Si vous êtes curieux de voir le jeu complet, je vous l'ai mis sur la page Facebook, donc de l'œil en noir pour ceux qui ne seraient pas abonnés, je vous ai mis toutes les planches du jeu complet. Les extensions vont suivre, simplement laissez-moi un petit peu de temps parce que maintenant j'ai envie de dormir, voyez-vous. Et puis j'ai aussi maintenant des vidéos à faire et puis j'ai des consultations à faire, donc je vais d'abord faire passer mon travail avant. Et puis les extensions, je pense qu'elles viendront pour Noël, hein, vers la période de Noël. Comme ça, fin 2020, pour ceux qui le veulent complet, l'oracle œil dans le noir sera complet fin 2020. Voilà, mais promis, ça sera fini avant la fin de cette année, hein, clairement. Donc avant la fin de cette année, vous aurez le jeu complet de l'œil en noir plus les extensions, ok? Et du coup, je me tâtais aussi, je pense que plutôt que de vous faire deux extensions comme je vous l'avais annoncé, je vais en faire qu'une seule et je vais vous sortir les 16 cartes d'un coup. Quitte à vous faire attendre, je préfère vous faire attendre par exemple, je sais pas, un mois, mais au moins vous avez dans l'extension toutes les cartes, plutôt que régulièrement aller commander une extension et puis attendre et puis commander la seconde. Non, je vous mets une seule extension avec les 16 cartes, comme ça au moins, voilà, ça règle le problème et vous aurez pas, vous savez que vous avez le jeu de base et une extension. Voilà, au moins, c'est plus simple. Allez, je vous embrasse fort, on se retrouve prochainement. Avant que je meure, moi je vais aller faire un petit dodo et puis on se retrouve là dans le week-end pour faire les vidéos et tout et tout. Prenez bien soin de vous, gros bisous.